Ah pardon, oui c'est à moi. Salut à tous les amis et bienvenue sur un nouvel épisode de The Forest. Et je suis avec Aegid, bien entendu. Bah oui, qui filme encore. Et oui, c'est encore moi qui filme. C'est moi qui vais filmer tout le temps maintenant. Ah, plus jamais t'auras la GoPro. Plus jamais, j'ai le pouvoir. C'est mon travail, voilà. Bah, l'épisode précédent, donc on a récupéré une pièce de pistolet en allumant du premier coup cette dynamite et en faisant exploser le caillou. Comme des professionnels de la démolition finalement. Voilà, alors là des vrais démineurs quoi. Ah, maintenant, je propose qu'on continue à longer à l'ouest, qu'on avait un peu fait à une époque, mais qu'on va vraiment faire de vrai. Je regarde vite sur ma carte, la boule. Et c'est parti, on va aller par ici. Ok, c'est... Ah, t'es déjà parti, bille en tête. Ah bah ouais, moi tu me dis feu, c'est feu, quoi. On va longer, puis on va continuer, et... Oh, mais non, attends, reste caché, faut rester camouflé. Ouais. Il nous a pas vu, lui. Il nous a pas vu... Alors, est-ce qu'on peut faire des silent kills? Mais normalement, oui. Est-ce que je peux mettre une flèche in the face? Alors, il y a une personne qui s'excite. Par contre, j'ai l'impression qu'il bouge plus vite que nous que quand on est accroupi, donc finalement, ça risque d'être un peu long. Imite le cri de la survivante du zombie femelle. Oh, mon choupinou, je suis une zombie femelle, viens me pécho! Viens donc, ramène-toi, ramène ton boule. Ah. Toi, tu veux une chute, Pierre? Non. Il m'a vu, hein. Moi, il m'a pas vu encore. Oh! Ah oui! Ah oui! Vas-y, fume-le! Ouais! Non, il s'en bat les couilles. Ah, il s'en bat les couilles parce que j'ai été détecté. Oh! Il fait des galipettes cascades. T'es mort et on va te brûler. Tu me crames. Tu surveilles pendant que je le brûle? Oui, je te surveille, t'inquiète. Alors, pour info, moi, j'ai 5 pièces d'armure au total. Ah bah, ça c'est bien parce que moi j'en ai que 3. Eh bah, écoute, ça sera pour toi celui-là. C'est ton cadeau. Oh putain, mais la vache, mais... Je fais vibrer le piaf. Mais moi, je veux le découper, je peux pas. Impossible de porter plus de petits bouts de viande. Ah, j'ai trop de petits bouts de viande. Ah oui, j'en ai... Oh, ça va, les gars, j'en ai 3. Vous me dites que j'ai 3... J'ai 3 morceaux de viande de piaf, donc autant te dire pas grand-chose. Et l'inventaire me dit non. Oh, t'en as trop. Tu vas devenir obèse, arrête. Arrête, c'est trop riche en protéines. As-tu pensé à diminuer ta consommation de protéines par semaine? Non, mais c'était pas tard. Hein. Remplacer ça pour des protéines végétales. Voilà, mange plutôt des fougères. Bah, ouais. Je suis pas sûr que ce soit très riche en protéines végétales, la fougère, mais détrompez-moi. T'as tort. C'est clip de me corriger, c'est des nutritionnistes. De fougères. Allez, hop. Ouais, j'ai tout mis, de toute façon, après c'est lui qui s'arrange là. Hop là, moi je prends pas des steaks. J'en ai assez. L'oiseau, il s'est littéralement posé sur mon visage. Il t'égratine le visage. Non, du coup, que... c'est l'anouille là maintenant. Voilà. Par contre, il serait. Bah, oui, non! Ah oui, je le vois, il fait beaucoup de lumière. Ah oui, il est intéressé par nous. Attends, mais. Yeah. Ah, mais nous on te picote les yeux en fait, hein. Allez, mais recule! Oh. Il m'a cassé un bout d'armure, le vilain. Putain, mais on serait pas si con. On récupérait cette putain de lampe dans ce crâne là, mais non! En plus, elle éclaire extrêmement bien, je comprends pas comment. Par rapport à notre petit briquet, ouais, ça c'est clair. Non, mais c'est trop facile. Mais on a pas. Ah, on a pas de lampe torche, quand même. Non, on a pas de lampe torche, c'est la loose. À chaque fois, ça nous met dedans parce qu'on a pas de lampe torche. Flèche empoisonnée et... Mais... Aïe, putain, mais ça je l'ai entendu. Quoi, Grua? Oh bien, joli petit bas de côté. Je vais faire la hache. Hein. Non. Eh, mais faut mourir, hein. En train de cramer ton copain. Je sens que tu vas le rejoindre ou quoi? Oh là. Non mais... Je le crame lui aussi. Hein. Ah bah ouais. Par contre, du coup, on a perdu le cadavre de l'autre. Dans cette nuit de merde, on voit que dalle. Ah bah ça, c'est malin, tiens. Putain, mais pourtant, il était pas si loin que ça, c'est pas possible. Oh, comme il m'a nargué l'écureuil, même le briquet, il m'a tellement troll. J'avais tué l'écureuil, le briquet s'est éteint à ce moment-là. Non! Non, cours, Brian! Merci, monsieur le bic. On a perdu le cadavre? Bah ouais. Ah, je trouve pas. Pourtant, il était pas loin de là, mais... Ah non. Ah.
Ah non. Oh bah ça c'est ballot. Ah mais non, il y en a pas encore un autre qui se ramène. Oh attends, on va. Ah bah du coup j'ai perdu l'autre cadavre. Ah oh, c'est possible. Ah bah je vois un truc qui brûle donc je vais aller vers là-bas. Ah oui. Mais putain mais je me suis allé méga loin. Il y en a un autre normalement pas loin. Je l'ai entendu, je me cachais là les fougères. Si j'éteins mon briquet, peut-être je suis plus. Ah ouais. Bah, du coup, j'ai... Ah oui, mais en même temps, on est con, faut éteindre nos briquets si on veut les prendre en stealth. Putain, ce jeu est tellement réaliste. T'as attaché des bouts de bois? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'arrive. Ah d'accord. Attends, quand je stresse. On voit que dalle. C'est génial, je vais allumer vite fait le briquet parce que je vois rien. Merci. Bah toi t'étais tout pourri, autant tes potes ils étaient hyper résistants, toi t'étais tout nul. Bah je ferais bien un petit feu de bois vite fait pour faire de la bouffe en fait là. Ouais vas-y. Donc à se faire cramer des mecs. Ah y'en a un autre qui arrive là. Encore? Bah de toute façon on va faire ça toute la nuit. Hein. Y'en a deux. Pour info tu marches dans ton pote en train de cramer. Il est où le deuxième? Donc, Bah là, je suis... Ah ouais il est là. Ah j'aimerais bien te tuer avant que ton pote ait fini de cramer. Allez madame, on recule. Allez, viens. On recule. Allez. Non mais faut mourir. Ah bah oui j'ai plus d'endurance, tu m'étonnes. Allez. Oh le petit pas de côté de bâtard. Ah par contre moi aussi j'ai fait. Ah directement dans les flammes madame. Voilà. Ah comme cours. Ça tu nous fais gagner du temps, merci Janine. C'est super alors. Sympa de ta part. Si y'a moyen que ça, je mette en raccourci. Je ferais bien un petit feu de camp quand même, hein. Mais... Ouais, un petit feu, ouais, ça... Il va être à faire, ma torche, elle s'éteint trop. Pour être sympa. Ça se mange ou pas? Faut mieux trouver quoi manger. J'ai soif et j'ai faim, alors attends. Est-ce que je bois de l'alcool? Est-ce que ça désaltère tant que ça, l'alcool? Mais pas du tout. Pas du tout. Ah non, en vrai, l'alcool, c'était assoiffé, on peut pas en boire, hein. Le seul truc que j'ai appris où c'était utile l'alcool en survie, c'est si t'as réussi à te faire un igloo et que t'es mal pris dans la tempête, si t'as de l'alcool, bah si jamais tu viens toi à geler, bah du coup, ça permet de te faire éviter de mourir congelé en fait. L'alcool? Ouais. Tu veux dire que ça réchauffe si tu bois? Bah en fait, il y a une nana qui a réussi à survivre comme ça, elle a eu un accident de voiture, je sais plus où, dans des parties enneigées des États-Unis. Et grosso modo, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est plantée en bagnole, mais sauf que là, c'était la grosse tempête de neige, et il faisait moins je sais pas combien, quoi, dehors. Et elle a fait quand même, je crois qu'elle a fait plus de 3 kilomètres, un truc comme ça, à poil dans la neige, enfin à poil, en tenue de soirée, quoi. Et mais du coup, en fait, elle est tombée dans les pommes avant d'arriver pile en face de la maison de chez son ami. Et puis, bah, du coup, le père de son ami va dehors pour pisser un coup. Tu vois, et puis là, il tombe sur la nana qui est complètement congelée. Alors, bon, le papy, il se dit, bon, bah, normalement, c'est bon, elle est morte, hein, Mr. Freeze, fini. Mais il se dit, j'ai quand même l'amener à l'hôpital, on va voir s'il y a moyen de faire un truc, quoi. Et bah, du coup, ils ont réussi à la redécongeler en douceur. Parce qu'ils pouvaient même pas la piquer pour lui donner des nutriments ou des trucs comme ça, parce que les aiguilles se pétaient à même sa peau. Tellement elle était gelée. Et donc du coup en fait ils l'ont juste mis dans une couverture chauffante et ils ont attendu. Et visiblement le fait qu'elle a été alcoolisée durant cette nuit là a fait en sorte que bah, ses organes n'ont pas été touchés quoi. Ah il doit y avoir une connerie genre en mode l'alcool refroidit moins vite ou gèle moins vite que le sang ou un truc que... Ah bah oui le vrai alcool de toute façon c'est pour ça que si tu prends une vodka normalement une vraie vodka ça gèle pas, tu peux la mettre au congélateur toute ta vie. Bah alors astuce chez vous, quand vous allez faire du ski au cas où, bah ayez au moins 5 grammes, parce que si jamais vous vous retrouvez dans une avalanche, bah au moins vous survivrez. C'est ça. Alors il y en a qui vont vous dire, oui mais faire du ski à 5 grammes c'est dangereux. Oui mais... C'est dangereux déjà pour les autres. Voilà c'est ça, pour toi ça va finalement. Ah putain, il faut qu'on bouffe tout à l'heure parce qu'il y a tout qui est en train de cramer là. Ah mais c'est ouf, hein, il y a des gens qui réussissent à survivre des fois. Tu te dis putain. Un youtubeur prône les vertus de l'alcool. Ouais, mais alors attends, c'est quand il y a des températures à moins 8000. Hein. Ouais, sinon faut pas en boire du tout. Non, c'est mal. Mal. Pousse cette bière.
Oh non, laisse-moi finir, s'il te plaît. Bon, bon, c'est bien, on s'est bien mis là, tiens, cette mouette là. Hop, hop, hop. Pardon. Oh, je t'ai mis un taquet. Oh, je suis désolé. Ça m'a rien enlevé. Bah, tant mieux. T'as vraiment des petits bras, je pense, pour ça. Pour ça. Des micro-bras avec une micro-lance. Oh, j'ai récupéré. J'ai carrément récupéré du chocolat. Oh, j'ai récupéré du chocolat. Bon, par contre, y'a pas de tortue. Du chocolat. Normalement, à la base, on était venu pour ça. Pour des tortues. Mais peut-être qu'il va falloir aller dans l'eau. Hein. Remarque, maintenant, on est équipé avec les scaphandres et tout. On va peut-être pouvoir nager. Hein. C'est pas fou. Peut-être que, parce que nous, on s'attend à ce que les tortues viennent à nous tranquillou bilou, l'approche de la plage, mais si ça se trouve, elles sont dans l'eau, elles nous narguent. Tu peux coller une bouteille d'alcool sur une hache et ça la rend plus puissante. Une bouteille d'alcool je pense que c'est fait pour la faire exploser si tu la lances. Non, 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 tu fais alcool plus sève plus arme, ça fait plus dégâts aux armes. D'accord. Alors ça, c'est intéressant. Et du coup, peut-être qu'on va faire ça. Hein. Je fais ça. Ouais, non, ça c'est fait pour le. Non, c'est la merde. Non. Plus de sève. Ah ouais. Ah, c'est fou, ça quand même. Ok. Bon, pas trop. Ah non! Qu'est-ce qu'il y a? Et encore un jean. Bon, je viens avec toi. La vitesse ou c'est les dégâts que t'augmentes là? J'arrive pas à trop comprendre. Ah non, mais j'ai pris feu là. Dans la panique, j'ai marché dans le feu. Ah non, c'est bien les dégâts. Ouais, mais je comprends, des fois ça fait paniquer dur. Normalement, si tu fais ça plus des plumes, je suppose que. Ah, là, si tu gagnes de la vitesse. Ah, ouais, d'accord. Attends, madame, c'est folle de me sauter dessus comme ça. Pam, pam, pam. Oh, ouais. Oh, là, ce qui fait trop bien mes attaques de lance, c'est en mode Kung Fu Fighting, ouais. Non, mais faut mourir. Oh non, je vais m'enlever un bout d'armure. Pas bien ça, madame. Oh, et puis en plus, c'est chiant là, parce que pour te faire cuire là, t'es juste à côté de l'eau. Ah ouais, ça va t'éteindre toutes les deux secondes. On va tenter quand même, hein, pour la ouais, forme. Ouais, pour la forme, mais vraiment. Oh, ça l'éteint ou pas? Oh, trop paralysé ce jeu. Autant le jeu, il te casse les couilles sur des trucs. Et autant là, oui, il y avait un oiseau, il fallait pas qu'il passe par là. L'oiseau, il s'est posé. Ah, un feu, cool, je vais pouvoir me réchauffer après ces longues heures de vol. Laisse blé. Il meurt. Alors, j'essaie de me rappeler mes raccourcis. En 1, j'ai mon petit lance-pierre. En 2, j'ai ma hache. J'ai en 2. En 3, en 2, j'ai rien. En 4, j'ai ma lance. Et je crois qu'on n'y a que 4 raccourcis. 2, c'est ça. 2, c'est ça. Mmh, d'accord. Allez, à moi les oiseaux. Ah bah non, parce que je suis déjà plein d'os, bah dis donc. Non mais il y en a encore combien de ces cons là? J'en entends encore en train de râler là. Ah, j'en oublie encore. Hein. Hop. C'est bon. J'ai plus assez. Ah, moi j'ai tout joué. Voilà, et eh ben continuons l'aventure, c'est parti. Bon, en tout cas, en termes d'armure, on devrait pas être. Bah, moi j'ai 6 slots d'armure quand même. J'en ai 5. Là, je me suis mis bien avec les os là. Moi, cette lune, j'ai pas fait gaffe à la lune. Sur ta gauche, là, t'as la lune, elle est. Ouais, c'est. Tu sens que t'es pas sur une île normale quand même. T'es sur une île sympa quoi. C'est la lune des ténèbres de Cthulhu. Gris. Gros gros. Pas des petites tortues là qui traîneraient? On peut grimper là. Non mais allez, il y a des petits bonus à l'étage, genre un fusil de chasse. Oh ouais, ce serait bien ça. Ou un AK-47, enfin un truc qui tire. Absolument avec. Rien. Avec plein de munitions, ce serait bien. C'est vrai. Ah. Là, j'ai un arc. Et ah, le jour ça. Arrive! Ah bah putain, c'est pas trop tôt. Ah. Attends, c'est ma mémoire est bonne. Oui. Il me semble que si on continue un peu plus vers le nord, on va tomber là où il y a un grand trou. Là où il y a un ce grand trou. Ah bah non, mais pas ce grand trou auquel je pense. Ah bah il y en a pas 500 des grands trous. Ah oui, mais c'est c'était, je sais pas si tu te rappelles ce que c'était le grand trou. C'est la fin du jeu un peu, non? Ah ouais, c'est ça.
On va pas y aller tout de suite quand même. Ah bah non, parce qu'on va se faire des boîtes. Je dis juste ça. Je dis juste peut-être que... Attends, j'aimerais bien tuer ce lapin là. Attends, alors dans ces cas-là, hop. Attends, j'ai vraiment discret. Attends les gars, et oh, je suis mi-os, mi-lézard, normalement je devrais être invisible pour vous. Je suis mi-os, mi-lézard. Oh tiens, lézard, hein. Ah non. Ah, il est parti. Ah ouais, mais faut le tuer. Ouais, mais il a disparu. Et du coup, il est bien camouflé parce que je le vois pas. C'est fort ça. C'est raccord. Ou sinon, il a fusionné avec le sol aussi, ça peut arriver. Bah, c'est surtout qu'en fait, je l'ai un peu perdu. Je vois un lapin en train de se barrer. Là-bas, il est caissé. Il y avoir des cartes mères là-dedans, c'est ça qu'on récupère? Ouais, c'était ça qu'il y avait dedans. Et on me voit quand même, c'est un truc de ouf. Ah, la discrétion de nos personnages, c'est pas la teuf, hein. Le lapin, il va se prendre une... Bim! Oh, lance-pierre. Oh, bah j'ai eu. Et carte mère. Ah, par contre, t'as des médocs. C'est ça, les médocs, on aime. On aime nos doliprane. Ah, enfin, j'ai la petite bourse. La petite bourse? Ouais, je vais pouvoir mettre des petites baies dedans. Ah oui. Ah oui, je pensais que tu me parlais de la taille de tes couilles. Sans pour moi. je m'étais trompé. J'ai senti ta confusion. Mais non, mais t'as bien fait de clarifier. Qu'est-ce qu'il me parle de ses petites bourses? Pourquoi il me parle de ses couilles, l'autre? On n'est pas sûr de discussion. Je veux dire que je dois réussir avec la taille des miennes. Est-ce qu'il faut qu'on compare? Attends, je vais mettre une de mes couilles à côté de l'une des tiennes. Ça va le complexer, garçon. Pas bien. Bon, moi je vais dans l'eau, je vais voir ce qui se passe. D'accord. Et putain, mais normalement je suis censé avoir une combi, les gars. Dernier mot célèbre. Je vais voir dans l'eau, c'est voir ce qui se passe. D'accord, pourquoi la combi s'est pas mis automatiquement? Ça se fout ma gueule? C'est une combi d'exploration de grotte, c'est pas une combi d'océan. Alors, si tu sais pas faire la différence entre l'équipement de plongée. Non, c'est bon, ça marche. Salé et l'eau douce. Ah, c'est bon, ça marche. Ah, autant pour moi. Ouais, bah c'est intéressant pas du tout ce qu'il y a dans l'eau là. Et du coup, que vois-tu? Bah. Je pense qu'il y a vraiment rien. Bah, comme j'ai un masque qui me protège des yeux, du coup j'y vois rien. C'est bien. Si ça, c'est pas trop con. Alors, bah, tu sais quoi, pendant que t'es là, je vais m'amuser à faire des. Oh, attends, je peux pimper mon arc? Comment ça fonctionne? Arc artisanal avec lumière. Il nous faut trouver des torches. Il faut une lampe torche. Bah, ouais, il nous faudra trouver une lampe torche. C'est pas faute d'en avoir normalement sur cette combinaison de merde, mais bon. Bah retirer, exacte. Putain, tous les piafous là. Non, y'a plein de piafous. Non, tu me vois pas. J'existe pas. J'existe pas. Pour toi, j'existe pas. Ah bah pour ma lance non plus, il avait pas l'air d'exister là. Le piafou. Je peux faire. De flèche incendiaire. Je peux faire vibrer les oiseaux. Bon, y'a un connard là-bas. Ah bon? Attends, je peux tester mes flèches incendiaires sur lui, s'il te plaît? Oui, d'accord, mais une fois! Il est où? Bah, tu vois pas, il court là, ils sont même deux. C'est encore Gérard et Timothée qui. Faut quand même. C'est en mode. Jean-Kevin! Vas-y, viens là, je veux te faire l'amour dans les fesses! Les tirs. Bah vraiment ils sont partis pour loin. Ah oui. Bah ils sont pressés là. Oh putain je vais te démonter. Ah oui t'es trop drôle Jean-Kevin. Bah ça se trouve nous on se marre, ça se trouve il y en a un des deux qui est pas consentant. Ah au secours. R. Quoi? Comme ça R. Ah oui non d'accord c'est pour changer mes flèches. Ah. Alors, quand je regarde. Ah d'accord, quand je regarde mon arc, je peux changer mes flèches, d'accord. Putain mais pas une tortue, mais sérieux. Oh, à défaut de ça, on a trouvé un village, quoi. Ouais, mais on se rapproche du trou. Derrière cette petite falaise, là, y'a le trou. On va se faire péter le huc. Moi, j'ai mes flèches enflammées. D'accord. Ça empêche pas qu'on va se faire... lézard. Ça empêche pas qu'on va se faire des boîtes. Non, mais j'ai qu'un lézard. Eh ben... Non, t'as tué un lézard. On a dit qu'on copulait pas avec les animaux. Oh, pardon, j'ai tué un lézard avec une flèche enflammée. Non, bah, moi, il est à droite le monsieur, je le vois. Je récupère du bif, hein. Y'a rien. Ça, putain, c'est le village de la loose. Une canette là. Y'a rien de chien.
Un monsieur démembré, bon. Ah, oh, on peut enregistrer et se reposer ici. Ah bah tu sais quoi, je vais enregistrer. Ah, c'est une bonne idée ça. Hein. Et vous aurez remarqué que nous ne sommes pas morts, hein, ni à cet épisode-là, ni à l'épisode précédent, donc. C'est vrai, il y a eu des améliorations qui ont été faites. Mais je trouve que nos combats, ils se passent bien. Bah, pour le moment, oui, mais on sait pas encore... La fois là où on s'est fait... Comment on parle et on utilise des mots déjà? Il n'y a pas du tout un trou en fait, il y a un lac. Bah oui, ah non, il est à côté le trou. Il est bien à côté. Non, mais c'est surtout qu'à chaque fois qu'on a eu des vagues de monstres, on avait la chance d'avoir nos pièges. Et les seules fois où on n'avait pas nos pièges, on s'est fait péter donc. Là, il y a une grotte là. Franchement, c'est intéressant parce qu'en plus, c'est juste à côté d'un. Ah, il est là le trou, le voilà. Et... Le problème, c'est que on n'a pas la hache, le piolet des escalades. Ah oui, c'est vrai qu'on a toujours pas trouvé le piolet. Oh, putain, par contre, il y a du monde là. Oh là! Oh là! Non, descends! 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 Descends, Mual! Tu descends! Bah, il a pas voulu descendre, donc du coup, est-ce descends que. Descends pas, toi, par contre. Oui, non, moi je vais essayer de pas descendre et juste récupérer le cadavre. Tiens, on va se mettre là, on va le brûler devant tous ses potes là. Attends, je vais mettre une flèche enflammée, voir s'il enflamme direct. Oh oui! Ah, mais il est fait en papier, ce monsieur! C'est ça! Ah, c'est des mecs en mousse, ça! Ça va! Ça, en fait, les dégâts perforants, ils s'en foutent. Par contre, le feu mauvais, quoi. Ça s'ouvre pas, cette merde. Rien. Non, c'est une tente, c'est hyper solide. Oh putain, la vache. Si t'as pas la clé de la tente, tu peux pas partir. Ah, il va falloir un chalumeau, hein, pour l'ouvrir. Là, faut l'ouvrir la cityline, ça. Hein. Pas rigoler, hein. Bon, le mec, il crame, là. Non, non, mais il crame bien, on est bien, on est bien. Ouais, sinon, il y a une petite grotte juste à côté, là. Ouais, on va pouvoir y aller, on va pouvoir y aller, mais ça, ce sera dans le prochain épisode. Ah ouais, d'accord, tu fais des teasings comme ça. Ah, moi je suis un gros bâtard, moi je peux teaser comme un gros bâtard. Donc bah en tout cas les amis, attends, avant de dire au revoir, on va se recaler proche des petites tentes là qui est à côté, parce qu'on aura plus besoin de faire qu'un feu de camp, etc. Il y a un monsieur là, et il y a des trucs qui tombent. Mais... Non, regarde, c'est encore Jérémy et Jean-Kevin qui... Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Bah, j'ai vu ça tomber en l'air. C'est pas, c'est des fauteuils, non? C'est quoi en plus? C'est pas, c'est... Une espèce d'ordinateur ou de caisse trop chelou? Je sais pas, je... C'est quoi ce bruit étrange que j'ai entendu, là? C'est un arbre. Non, non, j'ai entendu un... Attends, c'est peut-être dans la vie réelle, remarque. Ah, peut-être. Ça peut jouer. Mon casque au cas. Allez, mais allez, viens, toi. Viens, regarde, il est pressé de mourir. Viens là. Oh, attends, je vais lui mettre une flèche dans la bouche. Ah, oh. Mais bah, maille toi, parce qu'il est en train de... Ah, il y en a un autre derrière toi. Faut mourir, hein. Oh, je lui mets une flèche dans le cul. Ah ouais, t'es vénère. Ah, ouais, c'est ça d'être... Ouais. Oh, il est passé devant moi, lui. Vas-y, retire-lui une flèche dans le cul. Bim. Ah, je suis mort, tu mets des flèches dans le cul. Ah, gars, attention, ils sont trois. I repeat. C'est ça que je suis. Oh, il m'est passé au travers. Heureusement, ils deviennent intangibles au bout d'un moment. C'est bon. Bah, ça fait... Ouais, ça... Bah, ça leur donne une petite couleur, quoi, ça. Oh, il est tombé comme une merde. Il est resté un demi-point de vie, le gars, quoi. Le gars, il est tombé comme une merde en mode déception. Oh, merde. On va pouvoir cramer ces trois gars, là. Ouais. Voilà. Ah, attends, il y en a un autre qui se ramène, là. Deux autres. Oh, il y en a un, trois, il y a du monde, là. Ouais. Il y a beaucoup de monde, là. Gros bâtard. Aïe, plus de gros bâtard. Là, j'arrive pas à sortir ma... Oh là, oh là, oh là, mais je me suis fait déboîter là! Oh, lui il a déjà cramé, fais gaffe! Occupe-toi du gris, occupe-toi du gris! Putain, mais! Ah, faut mourir en plus! Non, mais j'étais jamais bloqué aussi! Oh! Oh, tu t'es fait mettre à terre, mon gars! Ah, la plus mauvaise journée de ta vie! Attends, c'est. Voilà! Ok, le blocage c'est pas mal, hein. Ah oui, le blocage, la parade, c'est pas mal. Voilà. Non, mais tu bouges pas. Je stagger à l'infini. Non. Je crois que la hache moderne, c'est pas mal quand même. Non, mais la hache moderne, elle est très bien pour parer.
Eh ben on va finir sur un bon feu de... Ouais, là on va pouvoir bien cramer, vas-y, mets une flèche et puis c'est marre. Ah ouais, en mode viking. C'est ça. Nous, on fait les funérailles viking, y'a pas de problème. Ah, non, je suis en train de me tirer. Oh, comment il m'a déboîté mon steak. Attends, du coup, il me force à choper des cadavres. Il m'a déboîté. Oh, il m'a fait trop mal. Bah là, tu vas pas te faire de l'armure, t'en fais pas. Bon, funérailles viking, oui ou merde? Oui, funérailles viking, bordel. Vas-y, je vais manger ça, parce que là... Oh, allez. Ah la vache, ce que j'ai pris dans la tête. Baldur, Kugulnur. Bah, ma flèche, elle est partie, elle fait un méga rebond. Là. Mais pour moi, elle était pas enflammée, ta flèche, ça fait du bruit. Ah mon dieu. C'est quoi, on fera même un feu juste à côté. Allez, Bjorn, Anvir, Volgruf, Balgruf, Edorgruf, et Jean-François. Et Claude. Bon bah, en tout cas, c'est plutôt bien démerdé là. Ouais, je vais chasser un petit coup, puis... Chassons un petit coup. C'est quoi qui brûle là? Ah, mais il a mis plein de... Je vais mettre des billets, donc. Oh, c'était malade les oiseaux. Tous ses potes, ils se posent à côté de moi. Ah, oh, y'en a un, il est... Oh, y'en a un, il est pas fait en papier, Turnip. Oh non. Y'en a un, il est... il résiste au feu. C'est inifugé. C'est ça. Mec, il commence à inifuger les... Comment c'est inifugé les mecs? On est pas dans la merde. C'est bon, il est désinifugé, tiens-toi. Putain, on est ici. Ah, c'est pas mal. Manque. Ça c'est bon. Voilà, je m'en fais deux. Yes. Hop, hop. Et puis figure-toi qu'il y a de quoi manger. Vous savez bien, ah, il manquerait qu'un os, c'est dommage. Ah si, il y en a des os là. Autant, il y en a encore un autre qui crame là, si vous savez. Ah oui, c'est vrai. Votre cannibale, il y en a un autre qui crame là, vous le voulez à point, bien cuit. Il est en train d'être un peu trop cuit là, faut que vous dites hein, ce qu'on en fait. Hein. C'est au bout d'un moment, merde quoi. Hop. Et voilà, c'est sur une victoire de At Adventure. Il s'est fait jeter sa partie crâne. Donc c'est là-dessus les amis, bah écoutez, qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, on espère que la vidéo, enfin que les vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire et à vous abonner. Et nous on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.